ancien sénateur Turneb Delpé ak ancien député Jean-Joseph Jasmin qui t'a parlé sous thème contrôle l'action gouvernementale la fait connait parlementaire toujours rencontré difficulté pour exercer pouvoir constitution en bayoa. Deux anciens parlementaires rappelé pour député en fonction yo contrôle action gouvernement représenté dans notre travail pouvoir législatif là. Turneb Delpé ak Jean-Joseph Jasmin souligné maman loi pays a prévoir gros sanctions pour tout gouvernement qui refuser bay parlementaire information qui pour permettre yo faire travail yo. Yon extrait dans déclaration dirigeant Mopodla ak ancien ministre qui était en charge des relations avec parlement sous ancien président René Préval. Pour action gouvernementale, c'est ensemble d'actes de politique publique essentiellement posés par un gouvernement dans le respect strict de la constitution et des lois du pays. Pour ce qui concerne Haïti, acte ça yo constitué essentiellement un par premièrement déclaration de politique générale gouvernement côté que il recevoir un vote de confiance pour devant parlement pour déclaration ça après ces projets de loi qui conforme à déclaration ça de politique générale ça que l'IGN pour le déposer devant le Parlement. Troisièmement, c'est mise en application de loi SAO selon le calendrier qui est défini par les arrêtés d'exécution de ces lois. Quatrièmement, c'est réalisation sur le terrain dans la transparence, programme qui découlait de déclaration de politique générale gouvernement. Et cinquièmement, c'est respect procédure qui est tracé par la Constitution. À quoi PIA dans la conduite de l'action gouvernementale. Et pour faire ça, l'État mettait à disposition du gouvernement un ensemble d'instruments, et parmi lesquels, ou gagner, ça y est, la fiscalité, le fisc, ou gagner le budget, ou bien ça n'est le bureau de monétisation qui occupe surtout des passations de marché. Ou bien la force coercitive. Ces instruments, c'est à partir de eux que le gouvernement lit mener action gouvernementale. Cependant, dans le monde moderne, un gouvernement n'a pas mené action sans que pas de mécanisme qui pour contrôler l'action gouvernementale. Et ces mécanismes que nous allons parler de nous, je ne dis pas là. Qui est ce mécanisme de contrôle de l'action gouvernementale? C'est ensemble de procédures, sanctions et structures qui établit par constitution et loi PIA qui permettent ou exercer ça révéler le contrôle de l'action gouvernementale. Ça n'entend pas procédure. C'est mode d'opérationnalisation indiqué par la constitution et loi PIA quant à l'utilisation de instruments que vous mettez à disposition du gouvernement pour mener l'action gouvernementale. Par exemple, nous sommes capables de prendre dans la Constitution dans le chapitre qui est relatif à la gestion des finances publiques. Nous avons un ensemble d'articles qui expliquent toute procédure comment le budget république est préparé, comment le budget ça doit être exécuté. Mesdames, Messieurs, le combat du prix s'inscrit en droite ligne des affrontements historiques entre l'exécutif et le législatif qui remontent à l'année 1806 et dont les manifestations actuelles traduisent la difficulté pour le gouvernement d'obéir aux prescriptions de la gouvernance en ce qui concerne la reddition de comptes. Ce comportement qui porte atteinte au fonctionnement régulier des institutions républicaines commande d'ouvrir les débats
sur le régime de type parlementaire et sur l'une des principales fonctions des députés et sénateurs, la fonction de contrôle. Comme prévu, nous vous proposons d'écouter nos réflexions sur le libellé suivant, le contrôle, les mécanismes de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. D'entrée de jeu, nous vous prions de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une étude exhaustive, mais d'une présentation succincte, balisée par des limites sur trois matières de recherche et de temps disponible. Nous utilisons une méthodologie basée sur la consultation de documents et l'observation directe libre. L'objectif visé est particulièrement de mettre en exergue les mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale et d'en établir le bien fondé d'une perspective de construction de l'état de droit. Au fait, l'exercice de la fonction de contrôle a été historiquement une source de conflit entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Ce constat nous inquiète et fait naître des interrogations auxquelles nous essayons d'apporter quelques éléments de réponse. Une problématique historique. Dès les premières législatures, selon Claude Moïse, un aperçu de l'histoire parlementaire d'Haïti, 1996, les gouvernements et les chambres étaient à couteau tiré. Boyer exerça une violente répression contre l'opposition parlementaire qui dénonçait son irresponsabilité dans le traitement des questions nationales. De 1843 à 1915, le Parlement est tantôt terrorisé par Soulouk, dissous par Giffard et chassé par la populace sous Arnav. Les conflits de ces conflits de 1915 à 1986 ont pris la forme d'un véritable matraquage du parlementarisme sous Tardignan, Vessant et Duvalier. Et Roy Jean-François, le coup de Cédrès, 1995. Sous l'empire de la Constitution de 1987, qui accorda de larges pouvoirs au Parlement au nom de la démocratie, les conflits n'ont pas eu moins d'ampleur. Il suffit de se rappeler les points de fer qui ont opposé l'exécutif et le législatif au cours des 45e et 46e législatures et de prendre acte de la crise aiguë qui marque leur rapport depuis l'avènement de la 49e législature et la présidence de Michel Martelly.